Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Tindouf, détournement d'aide alimentaire, le monde entier dénonce la mafia qui dirige l'Algérie. L'Algérie continue de détourner les aides alimentaires destinées au supposé camp de Tindouf. Le programme de l'évaluation de l'Action Programme Alimentaire Mondial PAM en Algérie a pointé de graves dysfonctionnements dans la gestion par l'Algérie de l'aide alimentaire destinée aux populations dans les camps de Tindouf. Élaboré par une équipe d'évaluation indépendante à la demande du PAM, le rapport signale l'absence de contrôle direct sur la distribution de l'aide alimentaire générale et du libre accès aux camps, indiquant que l'organisation dispose d'une habilité limitée pour garantir le respect des principes humanitaires dans ces camps. L'aide alimentaire est distribuée à toute la population des camps et non uniquement aux plus vulnérables, comme cela est relaté dans les rapports antérieurs du PAM, fait observer l'enquête d'évaluation. Notons que cette révélation démasque un des outils du stratagème utilisé pour gonfler délibérément les chiffres de la population dans les camps de Tindouf. Le PAM souligne dans ce sens la nécessité de mettre à jour les informations relatives à l'aide alimentaire dans les camps de Tindouf à la lumière de cette nouvelle donne et de renforcer le plaidoyer pour l'enregistrement de cette population par le HCR dans l'attente de son retour à la mère patrie, l'enregistrement étant un outil clé de protection d'évaluation des besoins et de solutions, révèle-t-on. Selon le document, le PAM a en outre eu du mal à nouer des relations solides avec le Croissant Rouge algérien. C'est la milice du Polisario qui organise la distribution de l'aide alimentaire dans les camps au nom du Croissant Rouge algérien, note le rapport, relevant ainsi une pérennisation de la dévolution par l'Algérie de ses responsabilités au profit de la milice du Polisario, étant précisé que la dévolution a été condamnée depuis 2018 par le Comité des droits de l'homme. L'un des défis de l'évaluation est que tous les participants aux entretiens et discussions de groupe sont sélectionnés par les soi-disant autorités des camps, dénonce le rapport, notant que les visites sur le terrain et les audits menés par de telle ou telle organisation dans les camps de Tindouf en Algérie ne sauraient ainsi être crédibles et ne pourraient rendre compte des détournements. Ce constat dénote aussi de la volonté d'empêcher l'équipe d'évaluation d'entrer en contact avec des personnes susceptibles de révéler d'autres dysfonctionnements et des détournements de l'aide, commente le rapport. Je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled deux chaînes annexes, la première dite Al-Jazair Bi'Uyun Maghribiya, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créé pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Isli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir, commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazir, la chanson amazir que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces deux chaînes, écoutez-les et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen, la chaîne principale qui sera quotidienne
Les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun en ce qui le concerne des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlimsan. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair bi'uyun Maghribiya, mais aussi abonnez-vous à Izli Amazir Morocco. Nous y serons avec vous sur les trois chaînes, Inch'Allah.